D'accord. Mettez les doigts vous dépasse. Même les cœurs vous dépassent à la veuve joyeuse. Vous aimez, vous êtes mazo. Pourtant moi, votre propre mère, des réseaux sociaux, la gamme des réseaux sociaux aussi. Hein? Moi, je n'ai pas... Hein? Moi, je suis dans mon goût à l'école. Tapis, ouais. Ouais. L'histoire du matin que je voulais vous expliquer là. J'ai parlé avec une personne là. Je vais vous dire une chose. Les Camerounais sont méchants et laids à voir. Les Camerounais toujours là que quand tu voyages, moi voici Kounya. Je voyageais ou je ne sais pas dans quel vous j'avais voyagé. Où c'était Air France. Je ne sais pas, je crois que c'est Air France. Bon, voilà qui arrive à l'aéroport, non? Écoutez l'histoire, c'est peut-être seulement le cœur. Pour dire que ne prenez plus jamais les colis des gens, que ce soit à partant de la France, en Europe, l'Amérique ou au Cameroun, ne prenez plus. Les gens là sont ingrats. Hein? Donc, j'arrive à l'aéroport, je vais voir un gars qui s'appelle Dakolé, que c'est un ami, on a grandi à Paris ensemble et tout ça. Et il me dit non, c'est la catacombe, lui il refait encore ta valise. Donc toi tu as fait ta valise autrement, lui il refait la valise à son nom. Et il savait comment faire là-bas. Et s'il y a des problèmes de support, c'est toi qui paye, c'est pas lui qui paye. Moi quand j'arrive à la Roissy, je voyage pour le Cameroun bien sûr. Non je pense qu'à l'heure que je suis arrivé, j'avais peut-être pris un autre vol, parce que c'était vers les gens, je ne sais pas quel vol j'avais pris. Parce que ce que j'avais porté, je porte les choses des gens. Quand les gens envoient les choses par Dakolé à l'aéroport, n'est-ce pas Dakolé paye. Hein? Les gens la payent à Dakolé, non? Les frais, non? Dakolé me donne quoi? Presque rien. Il me donne rien. Je fais ça parce que je fais ça gratuitement. Parce que moi, je voulais dire que moi, je suis plus celle qui voyageait avant, que je voyageais avec les kilos. Arrivé à l'aéroport, j'ai payé 350 euros à l'aéroport. Parce que j'ai apporté à Baza, pour aider la famille. Vous voyez, non? Donc, voilà l'histoire qui se répète. Donc, hier, dans le jour-là, j'ai voyagé avec beaucoup de tout. Parce que quand j'arrive à l'aéroport, hein, avec les choses, tout ça, c'est à mon nom, non? Donc, je suis obligé, non, puis de sortir mes valises. Et je sors aussi les valises qui ne sont même pas les miens.
J'ai sauté toutes les valises. On m'a dit que je donne à une seule personne. J'ai donné tout cela à une seule personne. Et la personne a reçu ses bagages. Hier, yeah. Et vous vous souvenez, une fois j'étais à la maison ici. On a metté les cœurs. Hein. Rien que Maurice Lemay qui a mis les cœurs. Si vous ne voulez pas vous laisser. Vous savez, vous êtes que quand le shop va être chaud, vous êtes celui-là pour ne pas faire comme vous voulez. Tapez sur mon mur de cœur. S'il n'y a pas, je laisse. Ce n'est pas autre chose. Je fume les arbres. Hein? Je fume les voitures. C'est mon contenu. J'ai mes publicités. Comprenez, non? Ça, vous aimez toujours écouter les choses des gens, mais pour agir, vous savez, moi j'aime mal à votre place. Oui, j'ai mal à votre place, ça c'est vrai. Parce que je ne sais pas comment je peux être bien. Quand je vous parle, je ne suis même pas parti de vos amis. Hein? On demande seulement que mettez les cœurs. Mettez les likes. Non. Vous ne faites rien. Hier, vous savez qu'on était j'étais aussi un peu avancé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette femme était venue chez moi. Papy Longchamp. Maman, elle est où alors? Quand je viens te chercher, c'est moi qui viens te chercher, non? Mais allez, c'est pas grave. Donne-moi le sac, il a pris, je porte le sac. Maman, tu veux le porter? Ben, porte ton sac si tu veux. Non, ça a coupé parce qu'à l'école, on ne doit pas filmer l'école. C'est pour ça que ça a coupé. Non, et comme je vous demande de mettre les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs. Vous voulez toujours écouter les histoires des gens, mais vous n'êtes pas capable de participer. Avance, maman. Laisse-les là-bas faire leurs choses. Alors, avance. Attention. Donc, cette dame. Je ne sais pas, il y a eu un jour chez moi là-bas. Papy Longchamp avait fait le truc. Et je lui ai dit que, mais, tu t'avais vu aussi chez moi, non? Et puis, c'est une personne que. Ce n'est pas une amie, mais c'est une personne que, bon. Tu sais, il y a des gens que tu rencontres dans la vie et que tu as de l'affection avec eux. Je peux même pas vous dire son nom. Je peux avoir son nom, ce n'est pas grave. Donc, hier, c'est pas ce qui s'est passé hier. Elle commence à me dire que j'ai volé. J'ai volé ces choses. Maman, quand tu me regardes, maman. Regarde-moi très bien. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas venu en Europe. On va l'appeler à la maison. Ta maman va arriver un peu tard aujourd'hui, d'accord? Là, on va d'abord tourner les misunga. Tu vas m'aider à faire les misunga? Oui. Voilà, on va tourner les misunga, hein? Oui. Toi et moi. Attends, et quand c'est chauffé, on peut manger les misunga? Oui, on va manger les misunga, bien sûr. Comme des saucisses. Ouais. Ce soir, tu vas manger les chipolata. Dis bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ah. Oh, le biscuit est parti, hein? Oh. Oh. Mais ce n'est pas grave, on va pour la note. Ah oui, on va s'asseoir, on attend l'autre, d'accord? Oui. Maintenant, mon gosse est calme aujourd'hui, hein? Ton calme, tu me fais peur, hein, Namoué? Oui, ça me calme. Bah oui, mais peut-être que quand ça, tu vas aller à l'école, hein? Oui, moi, c'était trop bien à l'école. Bah oui, je sais, mais bon. Parce que souvent, ce n'est pas ça, hein? Mais. Je dis, tu es très calme, hein, Jean, là. Comme s'il y a un problème qui va se produire ce soir. Mais. Et Namoué va manger Misunga. Oui, je donne. Je vais vous donner autre chose. Regarde comment c'est joli. Bah oui, c'est une belle maison, oui. On peut aller sur ça. Dans cette maison? Oui. Oui, pourquoi pas? C'est trop joli, cette maison.
Donc je vous explique alors l'histoire. Où ça s'est passé, comment il est. Je ne sais pas comment l'histoire a commencé. Parce que je voulais bagarrer avec elle. C'est mouillé. Non, moi je peux m'asseoir là. Moi, je... C'est pas mouillé, non. Assois-toi. Non, c'est froid. Oui. Dans 10 minutes encore. Tu veux pas qu'on marche? Mais non. On attend. Oui. Hey. Il n'y a pas de problème. Mettez le cœur, vous ne mettez pas le cœur, vous laissez. Chante, non. Chante, chante. Toi, tu m'as pris ça. Toi, tu es coco. Coucouille. Coucou. Chante alors. Une survette qui courait dans l'ombre. Je ne trappe pas la queue. Alors? On n'est pas celle-là? Si. Chante alors. Je ne connais pas. Chante la chanson que toi tu connais alors. Non, tu peux être timide, toi. Tu as une grande femme des réseaux sociaux comme toi. Je veux monter. Tu ne montes pas. Si, s'il te plaît. Chante d'abord, chante d'abord. D'abord, maman, pas. Mais tu chantes, non, c'est tout. Tiens. Je veux juste faire comme ça. Moi, je. T'as des claquettes, ça? Bah non, j'ai des chaussures. On appelle ça sébago. Sébago? Ouais, c'est des sébago, c'est des chaussures. 2 minutes. Oh, ouais. Oh. Je veux, mais tu veux pas me faire comme ça. Je veux aller par là. Madame veuve Marie-Paul Campatier, ça va? Tu as touché l'héritage de ton mari? Tu sais ce que tu m'avais fait un jour, Marie-Paul? Je vous trouve, vous les veuves aussi, vous êtes trop aigris, trop ingrats. Oui. Moi, toi aussi, on pourrait t'accuser que tu as tué ton mari, non? Vu que ton mari est venu te trouver au Cameroun, dès qu'il est rentré, tu es mort. Tu as oublié ça et tu oses venir dans mon direct pour finir faire quoi ici, le campagne. Tu m'as dit, on avait préparé une émission, toi et moi. Quand on va parler, tu vas nous dire les circonstances de la voix de ton mari, tu vas nous raconter comment le veuvage est mauvais. Toi, je t'appelle, tu ne réponds pas. Et tu oses venir ici, là. C'est sur toi. C'est voir les gens comme toi. Tu es une veuve. Tu as tué l'argent de ton héritage. C'est bon, c'est parce que tu as tué ton mari, non? C'est pas que tu n'as pas connu. C'est sur moi maintenant. C'est sur toi, tu ne me connais pas très bien. Pourquoi je vous oublie ici? On peut pas une émission, on va parler des veuves. Je t'appelle. Dégage de ma page, dis donc. Je t'appelle qu'on fasse une émission. Pourquoi tu parles des veuves et tout, tu fuis. On t'a dit, tu crois que tu es connu plus que qui? Ne pas ton mari est parti au Cameroun avec toi, un bon gosse, même pas 50 ans. Bim, il est rentré, il est mort. Tu as appelé ici avec les qui? Et quand il t'appelle, tu me dis que non, c'est toi qui me promets que on va faire l'émission ensemble. Maman, l'émission arrive, elle pack. La bonne dame, je l'appelle, ne répond plus. Hein? Tu travailles toi, tu travailles quoi? Tu travailles, moi-même, je travaille ici à Facebook, tu attends, non? Je travaille moi. Tu as tué ton mari, toi aussi. Mbap, de mbap. Voilà les Camerounaises. Tu sais que je m'en fais juste mon. Hein? Tu n'es pas la seule, mais c'est. Non! Oui, justement! Voilà! Tu n'es pas la seule, n'est-ce pas? Mais tant mieux quoi! Les deux peuvent faire la gueule ici, ils te cassent la gueule ici dans mon mur. Mais tu n'es pas la seule, veuve, hein? Regarde-moi, c'est hypocrite! Tu as tué ton mari! Tu as donné le poison à ton mari au Cameroun! Il est rentré, il est mort! Tu parles à qui? Et qu'il t'avait appelé pour mon émission! C'est toi qui as voulu. Tu as insisté d'être dans mon émission! Tu sais ce que préparer l'émission? Tu sais ce que c'est? Hein? Regarde avec les lunettes aux yeux, je ne suis pas la seule. Mais tu es la seule qui a voulu être dans mon émission. Je suis désolé pour toi, tu m'attends. Oui, tu demandes que tu le maries, oui. Mais toi, tu as tué vrai, parce que ta parole a été expédition directe. Un bon boss comme ça, tu peux comme ton mari va te chercher. Il rentre le lendemain, il meurt ici en France. Tu parles de quoi? Toi, tu as fait ça bien, du expédition directe. Il est mort. Tu parles à qui?
Est-ce que j'étais appelé dans mon émission? Je l'ai appelé dans mon émission. J'étais appelé. C'est toi qui m'as dit que non, la veuve joyeuse. Je veux parler, ouais. J'ai appelé, longtemps, rien. Tu veux parler de quoi? On parlait des choses de veuves, comment les veuves se comportent, comment il faut aider les veuves et tout. Tu ne suis pas la seule veuve. Quoi? Mamie. Regarde moi la bouche. Regarde celle-ci. C'est parce que tu es quoi? Tu es comme ça. C'est pour ça, hein? Tu voulais saboter mon émission. Heureusement que Yvonne Goma, tu vas t'en remplacer. Elle a parlé des veuves. Tu voulais saboter, tu es comme ça, tu es quoi? Tu ne veux rien, tu ne veux rien. Une veuve comme toi, si ton mari était, tu ne travaillais pas. Tu ne veux pas laver les fesses de Dieu dans chaque tournage. Tu entends, non? Mais vous savez ce que c'est que préparer l'émission avec une personne? Et que parce que c'est comme ça, ton mari est mort à l'état, alors quoi? Tu as eu quoi? Tu es riche à Facebook? Tu peux encore essayer les têtes de Dieu blanc là-bas à Facebook. Et que je suis comme ça, tu n'es rien. Mbak. Mal préparé. Marche pas. J'attends mon bus. C'est le travail, maman, hein. Va parler de moi là-bas. Qu'est-ce dans mon truc? Vous êtes des gens qui ne voulaient pas les progrès des gens. Tu sais ce qu'on appelle que faire un direct. Attends, moi c'est le travail, tu entends non? Moi je travaille à Facebook. Maman, quelqu'un va dire que tu dois passer à l'émission. Heureusement qu'il vient de m'attirer vu le jour là. Attends. Fatigué de quoi? Les femmes sont fatiguées. Toi tu es fatigué de ton travail. Que tu es sur les fesses de Dieu blanc là ou bien tu travailles dans les camions. Voilà les veuves alors, les veuves françaises. Ton mari avait le nom de Campatier. Moi je suis de Grémont, hein. T'as pas t'a laissé alors quoi aussi? T'as laissé quoi? Moi, je prépare mon émission tranquillement. Elle dit, elle me dit qu'on va parler des veuves. Ah! La carte que maman le jour, j'appelle. Elle ne répond pas. Heureusement qu'il veut nous mentir, vite dans la rescousse. On devait parler de quoi? Ce qui se passe quand ton mari meurt, comment les gens te regardent, les regards des gens sur nous. C'est tout ce que je voulais. Vu que c'est toi-même qui a voulu passer à l'émission. Au lieu de tu viens, t'as, je travaille. Tu travailles, hein? Il t'a laissé les millions. Va alors, va là-bas avec ça. Je ne veux pas te bloquer parce que tu es une veuve comme moi, c'est tout. En dehors de ça, on a tous perdu les êtres chers qu'on aimait, c'est tout. Le reste, ça ne commente plus chez moi un jour. Ne commente plus. Vous savez parce que quand on dit que préparer une émission, c'est facile. Donc, je vous expliquer l'histoire de la dame Diela. Donc, ma soeur, voilà les gens comme toi. Si tu n'as pas à t'en prendre à moi, il faut en prendre à Dakolé parce que c'est Dakolé qui avait donné. Tous les colis que j'avais amené, les cartons, les colis, comme ça là au Cameroun. On est d'accord là? D'accord? Donc, quand je mène. Donc, vous voyez? Ne t'apprends pas à moi. Tu t'apprends à Dakolé. Moi, je suis la gentillesse incarnée que je prends vos choses jamais dans vos pays. On me demande que c'était les deux bagages des noms différents quand j'arrive là-bas. Non, j'arrive là-bas, boum. Je tombe sur un seul nom que Dakolé a écrit. J'ai donné tout ce que j'ai écrit, donné tout. Je n'ai même pas regardé les choses que Dakolé a mis. Tu es venu chez moi danser chez moi, tu as oublié ça. Quand Papy Longchamp t'avait fait venir chez moi, quand Papy Longchamp a dit que les belles femmes viennent chez moi. Que venez manger, il va vous payer le taxi et tout ça. Tu n'es pas venu chez moi. Hein? Vraiment, la vie, c'est. Faut faire attention à toi. Tu peux se t'en prendre à moi, ma. Hein? Donc, ma, je t'aime bien. Je ne vais pas dire ton nom à Facebook. Mais sache que moi, ma vie ici, là, c'est pour la prostitution. Pourquoi c'est pour la prostitution, hein? Je sais que tu es une très belle femme. Je suis une belle femme, ma chérie. Tu n'es pas plus belle que moi. Mais les gens, ça ne se voit pas quand on est belle. Mais tu es né comme ça. Depuis que tu tournes ici, là, tu as eu quoi? Les vins que vous partez voler dans les supermarchés, vous envoyez à vos shows au pays. Et qui porte ça, couille. C'est toujours moi, la veuve joyeuse. C'est fini. Je dis que, d'accord, quand je voyage,
Même si tu as, parce que tu es chrétien, tu attends que c'est l'aéroport. Toi et moi, on va gérer nos choses à deux. Les reste, là, je crois que je vais même se marier, je ne porte plus vos choses. Ah, il y a le bus, elle n'est pas dans le sac. Si ma mère, elle est comme ça aussi, mais je ne suis pas autant que ma mère. Mais les femmes de ça, on gâte. Ouais, alors. Monte, monte. Allez, avance. Avance, on va au fond. Attends-moi. Allez, attends. Marie, pour le campagne, tu fermes ta gueule. Je t'ai appelé sur WhatsApp. Sur Facebook. Je dis, hein, je ne veux pas dire de gros mots. Je vais te dire une chose. Tu n'as pas mon mot. Tu te prends pour qui, toi? T'as quoi? T'es rien. Une villageoise que le blanc venait épouser, je ne sais pas comment tu as fait pour venir ici pour épouser le blanc là. Tu vois, me fie-toi avec moi, parce que moi je te lave à Facebook. Hein. Tu m'as alors contacté où? Tu m'as contacté où? Le campati. Toi et moi on finit ici. Hein? Hein? Mais c'est toi qui me contacte, donc tu passes à l'émission. Donc j'ai appelé, rappelé, appelé. Je t'ai appelé sur Messenger, s'il te plaît. Je t'appelais pas, je n'ai pas ton numéro, c'est Messenger, non? Je n'aime pas ton numéro, regarde-moi celle-ci, une laide de choses. Hein? Tu étais star, je veux te rendre star. Les gens comme toi, ne viennent même pas dans mes directs. Parce que tu ne vaux rien. Ton mari et moi, tu as hérité quoi? Pas parce que tu es hérité, tu épouses l'autre blanc. Moi, je ne sais pas encore épouser l'autre blanc, mais je vais épouser. Quand il va épouser, c'est pas à côté là. Regarde un jeune blanc que tu as épousé. Il part au Cameroun, te suivre, il rentre comme élan, élan. Ah oui, hein? Ok, mon Jean. À que vous dites? Il est mort de quoi ton mari? Hein? Ah! Le jour lendemain, boum! Expédition directe! Et t'es dit, wassa wassa! Un beau mari, tu as fait combien d'années avec lui? 3 ans! Il a laissé alors quoi? Une vieille maison en ruine? Elle n'a pas mon numéro, je ne peux pas avoir ton numéro, tu peux être mon ami, je peux marcher avec toi! Quand tu te vois, tu me vois, tout le monde peut marcher ensemble! On parle d'une émission des veuves, c'est toi même que tu veux participer à l'émission, c'est tout. Hein? Elle vient, elle n'a pas mon numéro. Et on t'a appelé, vous savez pas Messenger. Hein? Je t'ai appelé jusqu'à. Elle vient aussi, ne parle plus ici. Hein? Elle a l'air de choses aussi. Mais c'est vraiment que. Je te cherche, tu vas me faire quoi? Le bon Dieu. Tu vas me faire quoi? Tu viens faire quoi dans mon truc? Tu vas me faire bon Dieu. Tu vas me faire quoi? Une veuve comme moi, tu vas me faire quoi? Toi-même, tu es veuve, non? Expédition directe, ton mari est mort. Là, 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 wassa, wassa. Mais, je t'ai proposé parce que tu es une veuve. Et tu as accepté, non? Tu pourrais me dire non. Hein? Mais attends, dites que voilà même une autre qui est là. Voici une femme ici qui est veuve, mariée pour le campagne. N'est-ce pas, je t'ai proposé, comme j'ai proposé à tous les veuves dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui m'ont contacté et qui ont participé à l'émission, sauf toi. Mais alors, tu es obligé d'accepter. Il ne faut pas faire comme ça. Hein? Je ne sais pas que peut-être ton petit vécu aussi allait aider pour la page, allait aider les autres veuves. Hein? C'est toi qui m'as proposé. J'ai proposé à tout le monde dans les réseaux sociaux. Hey man, on y va? Non, tu ne dors pas ici. On y va. On est arrivé. Descends. Va vite, fais vite. Il va nous laisser. Ne cherche pas. Oui, bonjour. Excusez-moi, madame. Je vous ai dit que hein, ma page, c'est sûr ce que je vous cherche. J'ai dit que vous allez tourner dans toutes les pages en Facebook. C'est ce que je vous attrape. Tu vas y aller, tu vas tourner dans ta page. Tu peux voir dans ta page. Vous allez tourner. Finalement, vous allez venir ici. Viens, maman, viens. Traverse, viens. Viens vite. Ouais, bravo. Je suis ma petite fille à l'école. Hein.
Mais je t'ai proposé comme vous avez proposé à tout le monde. Hein? Alors, comme tu es veuve, non? Tu vas proposer à Brigitte. Brigitte est veuve. Non, je ne sais même pas si Brigitte est veuve. Par contre, tu as payé ton mari ici à Facebook. Oh, bon, vas-y, oh. Ton mari est parti te voir au Cameroun. Après, tu es resté au Cameroun. Il est rentré là-dedans. On l'a trouvé mort. Tu es obligé de prendre l'avion. Dites-moi pour rentrer ici là. Pour venir l'enterrer, tu me parles de quoi? Quand tu proposes quelque chose, c'est aussi simple de dire oui ou non. C'est toi qui m'as proposé. Et alors, tu as dit non. Et qu'est-ce que tu as dit non? Tu as dit non? Pourquoi à la dernière minute, tu commences à crier, tu ne parles plus? Ton français allait être décambolique, c'est tout. Viens, on parle. Nous, on va à la maison. C'est quoi? Je t'ai proposé ça pour une bonne cause. Et puis j'étais ridicule. J'étais ça même plus où danser le jour-là. Allons, pose ton sac, maman. Pose ton sac. S'il te plaît. Attends. Et moi, je le mets. Mais. Hein? C'est bon. J'étais ridicule. Tout le monde me regardait que la fille, c'est comment? Ça fait quoi, hein? Marie pose le capacité, c'est que c'est pas vrai, je ne te bloque pas. Quand tu parles, que j'ai pitié, tu es une veuve comme moi. Hein? Quand vous proposez, il faut dire non. Vous acceptez. Que de rendre une personne stupide dans son propre direct. Tu entends, non? C'est rouge. Ouais, c'est rouge. Et alors? C'est encore rouge. Okay. Oui. Mais non, moi, je ne veux pas des choses comme ça. Ne mets pas ta gueule ici. Tu sais, des gens inculques comme toi, les gens qui n'ont pas fréquenté, qui ne connaissent rien, dit et alors quoi? Non, je la laisse. Mais qu'est-ce que tu veux plus commenter ici? On y va. Hein? C'est quoi? C'est un problème. Donc, comment t'es plus, maman? Enfin, bref, pour te dire, c'est Dieu là que. On ne m'a jamais vu bagaille. Et je voulais absolument te toucher. Te faire quelque chose du mal hier. Si j'avais une bouteille là, qu'elle pouvait te tuquer ça. Mais grâce à Dieu, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. C'est pour vous dire qu'Emma, moi, je ne porte plus rien dans le Camerounais. Que ça soit sortant de l'Europe ou sortant de l'Afrique, jamais, rien. Votre harcèlement que vous harcelez les gens des aéroports là, que pardon, prends, rien, je vais me faire quoi. Quand une personne arrive comme ça, je suis en train de me dire, non, ma soeur, c'est comme ça, vous faites comme une intimidation, c'est fini. Moi, mes sacs. Oui. Vous allez là, ne vous voir jamais au Cameroun. Vous partez voler les pyjamas ici, les bermudas dans les supermarchés, c'est pour envoyer à vos maris, vos copains au Cameroun. Hein? Vous avez une belle vie, hein? Donc, moi, j'ai décidé que moi, je ne porte plus rien d'une personne. Même si c'est une poupée, je dis non. C'est bon. Même si ma valise se pèse, j'ai seulement un petit sac et je vous regarde comme les cacas, je passe. Oui, ça va se passer comme ça. Quand vous avez déjà un autre truc, vous intimidez les gens dans les aéroports. Même pas que vous intimidez. Ah, vous faites ça parce qu'on a pitié de vous. Ça devient déjà les problèmes, hein. Ok. Tu as eu la chance hier. Que je n'étais pas truqué avec le couteau. Parce qu'il y a le moment que parfois tu dis que merde, c'est même quoi ça. Tu aides les gens. Tu veux aider les gens. Tu veux créer une situation que les gens peuvent être heureux. Pour dire que non, on n'est pas seul dans ce combat. Les gens sont là en train de te faire tuer que tu redescends. Donc voilà. Ce n'est pas un truc pour les enfants. Oui, mais oui, on va préparer un peu. On va faire les petits chamas. De toute façon, j'ai préparé hier soir. Hein. Tu n'as même pas mangé. Donne-moi un peu la clé. Viens, maman. Donne-moi ce chèque. Si vous avez les lettres. Oui, mais attends. C'est pas grave. Je vais juste ici les lettres. Le respect, Michel. J'adore le respect. Ah. Vas-y, dépêche.
que avant Joël, c'est comme son Ganda. On peut fuir le Ganda, mais après on revient toujours au Ganda. Mais, parce que ça, chérie, je veux te dire une chose. C'est là que hier, j'ai fait tu perds le couteau derrière. Que laisse-moi. Il faut quand même dire, mais si c'est ma faute, pourquoi depuis que je suis. Ça fait, maman, depuis 3 ans, c'est maintenant que tu dis que j'ai volé les choses. Moi, tu me vois, moi, voler 2 bouteilles de vin. Quand Dakone faisait des bouteilles là, c'était devant moi. Ils m'ont donné un seul nom. Il y avait mon nom. Mon nom était parmi dans vos choses. Mais dans les étiquettes, c'était écrit autre chose. Mais c'est ma faute. Les autres gens ont récupéré leurs choses. Si ta part n'est pas arrivée, ça me regarde. Ça me regarde. Tu es quand même venu ici, monter les escaliers ici. Venu chez moi, avec papi dans le champ. Parce que tu m'as vu chez toi. Moi, si. Tu es jamais venu ici. Hein. Attends, papi dans le champ va te parler aujourd'hui. Ou alors j'ai éjecté de confondre. Parce que papi dans le champ, il y a beaucoup de femmes ici, toi. Si j'ai confondu, excuse-moi. Mais ne me mélange plus dans le vol parce que moi, chez moi, déjà, ne vole pas. Je reviens en direct tout à l'heure. Donc. Ça c'est comme... du bleu. Ça c'est de la peinture. Hé, Lavliad, appelle-moi. Lavliad. Appelle-moi sur WhatsApp, s'il te plaît. Lavliad. D'accord, appelle-moi sur WhatsApp. Mon numéro, tu connais mon numéro. Mon numéro dans ma page 06 11 70 95 59. Appelle-moi sur WhatsApp. Bisous. À tout à l'heure, merci.